dry. Bonjour et bienvenue. Nous sommes repartis dans notre survie du week-end. Et il fait encore nuit, on a une petite aurore boréale en ce moment. Alors on va manger, tout ça, on est bon. On n'est pas encore complètement reposé. On l'avait lu ça? Oh là là, il y a beaucoup à lire. Alors, qu'est-ce que c'est? Un petit arbre a été déraciné par la tempête la nuit dernière. Il est tombé contre le mur du garage, découvert ça en arrivant ce matin. Qu'est-ce que j'ai vu? Et qu'est-ce que j'ai vu rôder dans les parages? Un loup. J'en ai avalé mon café à de travers. Je l'ai laissé tranquille et quand je suis sorti plus tard, il était parti. Bill Farney est venu faire le plein de son camion avec une partie de son équipement. Ils ont pu scier l'arbre. Je les ai payés en bois. Encore aujourd'hui, l'île continue de me surprendre. S'ils avaient vu ça, les collègues de mon ancienne usine sur le continent auraient... Non. Je crois qu'on peut finir de le lire là-dedans. Mémoire tampon. Non. Attends. Le garage Quanset, c'est ça. Mon ancienne usine sur le continent aurait pété les plombs. Waouh, c'est tout trouble. Waouh, c'est tout trouble! Oh mon dieu, je perds ma vue! Non mais sérieux quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que j'étais là-dedans? Ok, c'est bon. J'avais perdu ma vue pendant un petit moment. Ça c'est la cataracte et tout ça, c'est le problème. C'est... mon dieu, ce jeu. Alors, dans notre épisode aujourd'hui... Donc ce qu'on va faire, on va déjà mettre la carte. Donc ce qu'on va faire, donc j'ai fait un peu, j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai dessiné en plus? Je ne pense pas. Bon par contre je suis allé donc mettre la corde. Ah c'est bête, j'aurais dû dessiner. Ah j'aurais dû dessiner pour dessiner les cordes en fait. Ouais, ah, ça c'est bête ça. Bon j'ai mis la corde. Je suis descendu, il y avait un cadavre comme d'habitude, il y avait strictement rien dedans, enfin dessus plutôt. Il y avait un peu de bois à côté, j'ai pris le bois et c'est tout, basta. Voilà, il n'y avait rien de très spécial. Je suis retourné à la maison côtière, j'ai récupéré donc tout le matos, donc les boyaux, la peau et tout ça. On va dormir encore une heure. Les boyaux et tout ça. Donc on a tout à la maison, comme ça je vais peut-être vous montrer s'il fait jour. J'ai regardé aussi pour les mods, il y a un mod qui est maintenu... Honnêtement, qui a l'air de bien fonctionner, c'est la luminosité ambiante. Donc voilà, là on a toutes les peaux et tout ça. On a 5 peaux en tout de serre. Et il y a un mode, donc le mode de luminosité. Et ça m'intéresse vachement en fait de le mettre. Parce qu'apparemment il est bien maintenu à jour et tout ça. Mais j'ai quand même un peu peur que ça foute, ça mette des problèmes en fait dans le jeu, donc voilà. Il y a ça, et il y a le mode apparemment pour les objets aussi, pour pouvoir les placer en fait où on veut, qui est aussi fonctionnel, qui marche très bien et tout, et il est mis à jour aussi. Donc je suis très très tenté de le faire, mais toujours un peu la peur que ça foute un peu trop le bordel dans le jeu et qu'après on n'y arrive pas ou... Ah voilà quoi. Enfin bref. On va regarder la lampe. Là on a 0,30. Là on a 0,26. Faudrait les vider. En fait. Faudrait les vider. Ouais. On va garder ça. Bon il n'y a que 0,30 dedans. C'est pas grave. On se débrouillera. Donc ce que je veux faire. C'est que on va partir donc. Au site de désolation. Alors, je sais que c'est le Riken, je crois, c'est le bateau en fait qui est échoué, et il y a une forge à l'intérieur, donc on pourrait forger des choses. Mais, le truc c'est, est-ce qu'on a vraiment besoin de forger du matos? Parce qu'on a encore une hache, on a des flèches de... J'ai aussi crafté toutes les flèches hein, que j'avais en rab, enfin avec les pointes. Donc on a 11 flèches ici, on en a 13 ici, on a un fût de flèches qui nous reste.
On a du bois aussi, on peut faire un arc, on peut faire des flèches. Ça, un arc, il faudra que j'en fasse un parce qu'on a toujours le même arc. Bon, après, bon, on met énormément de temps avant de l'abîmer, donc ça va. Alors, on a un marteau lourd. Le marteau, c'est 2 kilos, ouais, c'est ça. On va pas le prendre avec nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller très léger là-bas. On va y aller très léger, genre dans les 35 kilos, c'est très bien. Du coup, ça nous fait un rap de 15 kilos. Et en plus, on peut aller jusqu'à 55 kilos exactement pour si on veut vraiment transporter du lourd. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça, on va le garder si jamais on doit scier du métal, parce que si jamais à la limite, on pourrait faire des hachettes et tout ça en plus en rab. Mais bon, pour le moment, on n'a pas besoin, mais c'est pour dire. L'équipement, on est bon. Ça, on est bon. On a 24 allumettes, c'est largement suffisant. Puis on a ça. On a l'air d'être ok. On a l'air d'être ok. Je pense qu'on peut partir comme ça. Honnêtement, je pense qu'on peut vraiment partir comme ça. On peut camper un petit moment là-bas. Donc, et voilà. Donc, ça va nous prendre peut-être 2 épisodes, voire un troisième. Ça dépend en fait comment est le temps. Ça dépend en fait combien de temps on met à tout récupérer. Pour la nourriture, enfin c'est bête, je crois qu'on a une tempête là. Pour la nourriture, bah, on va laisser tout ça ici. On a plein de peaux de lapin aussi, je suis allé les récupérer. Ça m'embête là qu'il fasse mauvais temps. Fais voir un peu. Ah, il fait froid. Hein. J'ai fait un feu ici aussi, dans le coin, là. C'est pas mal, parce qu'il est bloqué de là, il est bloqué de là. Donc, c'est pas si mal ici. Donc, ouais. Il fait un peu froid quand même. J'ai peut-être pas trop envie de partir maintenant parce que là, là, il fait un tout petit peu froid. Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer le temps? Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer le temps assez vite? Il y a toujours le fait de réparer la lampe, mais ça sert à rien en fait de réparer les lampes parce qu'elles s'usent jamais. Donc ça aussi, c'est un truc un peu bête. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors j'ai fait les flèches. On pourrait faire ça. Ok, le vent s'est calmé. On va refaire encore 15 minutes. Ok, le vent s'est calmé. On y va. Ah non, le vent s'est relevé. T'es sérieux là? Faut voir. Alors, ça. Hop, 5-5-5, très bien. Après, est-ce qu'on prend les crampons? Je dirais qu'on n'en a pas besoin. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Pourquoi on a un vent comme ça? Moi, je veux... Ah là là! J'avoue que c'est un peu galère parce qu'on avait du bon temps en fait jusqu'à maintenant. Bon après on peut quand même bah forcer, hein, j'ai envie de dire, hein, on peut toujours y aller, hein, et puis après on se débrouille là-bas, hein. C'est pas, on a vu pire, hein. On a vraiment vu pire, hein, donc c'est pas trop grave. Mais j'avoue que je voudrais bien partir tranquille en fait. On a une dizaine de flèches, c'est largement suffisant pour combattre là-bas, parce que évidemment on va avoir plein de loups. On va dormir une petite heure. Il va faire nuit bientôt. Bon, si jamais... Ouais, allez, je crois qu'on va y aller. Je crois qu'on va y aller. On va prendre un autre litre. Ça nous fera 4 litres, comme ça, en théorie, on devrait pas avoir besoin de faire de l'eau là-bas. Ok. Bon, là, c'est un peu mieux déjà. Là, c'est un peu mieux. Alors, je vais voir un peu.
Alors, on va déposer ça. Pam, pam, pam. 3. Alors, on sent un peu la barbaque, mais on va se débrouiller avec. Allez, on y va. J'ai un peu réparé mon équipement aussi. Donc, tout est en très très bon état. Là, il y a un loup que j'ai tué. Après, j'avais tué un autre loup là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas allé récupérer de la viande hein, d'ours. Hein. C'était trop chiant, en fait. C'était trop loin. Donc, non. Trop loin, trop chiant. C'est trop lourd, surtout. C'est ça, le problème. C'est trop lourd. Là, on a une maison brûlée. Donc, ouais. J'ai préféré ne pas du tout... récupérer de viande d'ours. Ah, on va avoir un brouillard. Oh, super. Super. Bon, après, c'est pas trop compliqué. On va rester sur les chemins qu'on connaît, sur la route et tout ça. Et on va avoir un brouillard. Voilà, là, c'est un peu mieux. Vous voyez, regardez le temps. Voilà, là, il s'améliore. Le temps s'améliore. Ça, c'est très bien. C'est très très bien. Donc le but de la petite expédition là maintenant, ça va être de tout simplement en fait récupérer tout ce qu'il y a là-bas et de le ramener ici. Encore une fois, c'est parce que c'est une région qui est à l'extrémité de la map, de la carte. Donc ça sert à rien en fait de laisser les choses là-bas. Les seules choses qu'on pourrait laisser, techniquement, ce serait les choses en fait pour tout simplement... Tout simplement faire de la forge. On va voir ce que c'est. Mais je crois que j'étais déjà venu ici. Ah non. Non, 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 non. On prend les plumes. On prenne un peu de bois aussi. Le long du chemin. On peut peut-être un peu tracer, honnêtement. Genre courir sur la route, c'est pas mal. Ça va vite. Faut faire attention parce qu'on a 3 morceaux de viande. Là j'y étais allé je crois. Là j'y étais allé. Donc pas besoin d'y retourner. J'y étais allé quand j'ai chassé l'ours en fait. Je crois bien. Enfin au pire quand on reviendra on passera par là. Pour être sûr. Donc ouais, le but c'est de revenir avec plein de choses. Des choses intéressantes évidemment. Genre kit de couture, allumettes, des choses comme ça hein, évidemment. Est-ce que j'avais fouillé cette voiture? Pas du tout. Pas vraiment utile. Rien de très utile. À la limite, je devrais pas prendre les choses en allant là-bas. Parce que de toute façon, on va revenir par le même chemin. Donc, bon. Ok, donc faut faire un peu attention. Parce qu'on a...
On a d'abord l'autoroute Vétuse qui est un peu un peu embêtante. Il y a beaucoup de loups. Sur le chemin en fait. Donc ça c'est un peu embêtant. On va devoir sûrement combattre. C'est pas très long. Ah, on en a vu un. Voilà, il nous a flairé déjà. Il y a combien? Un ou deux? Ah, un seul. Il y en avait deux. Cool. Bon, bah, je crois qu'on a déjà éliminé une bonne menace. Si je me rappelle bien. Ouais. On peut aller au sous-sol, donc on peut se réchauffer là. Très bien. Très bien, très bien. Okay. Alors, est-ce qu'on peut trouver des vêtements intéressants? Hope nobody needs this anymore. Ouais. C'est pas la folie, hein. Mais... Pas grand chose. Pas grand chose. On va faire pause casse-croûte. Très bien. On va se mettre à fond, hein. C'est pour éliminer en fait les kilos, hein, surtout. C'est surtout pour ça. Alors ça, en théorie on n'a pas besoin. Je me dis qu'à la limite on fera une autre pause ici. 96%, cool. Hop. Très bien. Oups, pardon. Ouais. On pourrait revenir ici. Par contre, je vais juste... on va faire ça. Le temps de se réchauffer au max. Voilà. On est bon. On se baisse, on sort. Ok, on avance. On va regarder la voiture. Alors je crois que si on va vers l'eau, qui est juste devant moi là, je crois qu'on a... ça c'est un backer, donc on s'en fout. Je vais changer l'arc. Je crois qu'on a des lapins qui traînent. On va poser tous les objets en fait qu'on a en surplus. On les pose ici. Donc ça c'est combien pour recycler 10 minutes. Ça nous réchauffe. C'est 0,10 de cuir. On va le garder sur nous, je pense. Ça c'est 25. On va poser. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Non. C'est parti! Voilà, très bien. On avance. Donc on peut ou passer par la droite ou la gauche. La droite, c'est le chemin.
la route. La gauche, je crois qu'il y a une grotte. Ah, on a peut-être une mine aussi. On doit peut-être passer par une mine maintenant que j'y pense. Ah, je crois qu'on entend des lapins. Attendez, la grotte elle est là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me suit. On va prendre ça. Ouh. Je crois qu'il y a un gros truc qui traîne en fait. Quelque part. Je suis certain qu'il y a un gros... Il y a un gros truc qui traîne. Un ours peut-être. Rien qu'au bruit. Ok, il n'y a rien. On va aller voir quand même les corbeaux vite fait. De toute façon, on peut pas monter par là. Il faut faire un peu un détour, je crois. Est-ce que c'est un cadavre ou... Pour pas, j'ai le posé parce que je veux pas attirer en fait les animaux pendant que je suis en train de dessiner. Je me demande s'il n'y a pas un cadavre d'humain ici, quelque part. Peut-être derrière les roches. Peut-être. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, si on veut faire un feu et manger, on peut faire ça. Je sais pas si ça vaut le coup, en fait, d'aller là-bas et là-bas. Je sais pas. Je crois qu'il y a, genre, peut-être un cadavre qui traîne. Un truc comme ça. Mais pas plus, quoi. Donc, pour résumer, c'est pas vraiment intéressant. Je vais avoir un problème pour monter, moi. Okay. Donc, ouais, pour résumer, c'est pas super intéressant. Okay, très bien. Alors, normalement, nous, c'est par là, je crois. Je vais juste aller voir là. Oh, un lapin. Il n'y a rien d'autre. C'est juste le lapin. Ok. C'est bien, hein, il fait pas froid. Mais ouais, du coup, il y a une mine avant, entre les deux, en fait. C'est vrai que j'avais un peu oublié ça. Donc, on va devoir... on va devoir se presser un peu, parce que la lampe, je l'ai pas rechargée. On a quand même très peu de fuel. Là, on a du... On va faire ça. Attends, hop. Ok, très bien. On a quand même très peu de fuel, donc ça risque d'être un problème. Bon, après, je peux toujours craquer une lampe, hein, une torche, pardon, mais bon. Si on peut éviter.
Si on peut éviter de le faire, c'est toujours une... C'est toujours ça, quoi. Allez, go. On va peut-être se presser un peu, même. Je pense pas qu'elle soit très très grande. Hein. Je pense pas qu'il y ait trop de bifurcations. Je pense qu'il y a peut-être un ou deux embranchements. Et c'est des cul-de-sac, là, ça. Ça c'est pour les mettre à la à l'entrée. Je les prends pas tous, hein, j'en prends juste quelques-uns sur le chemin. Ok, là, y a rien. On a souvent des établis aussi dans les mines. Ça c'est intéressant. Mais bon, le problème, c'est que, ouais, c'est tout le temps dans le noir, quoi. Donc ça, c'est le gros problème, en fait. J'avoue que normalement, je prends mon temps pour les mines, parce que il y a un peu l'ambiance et tout, j'aime beaucoup. Mais là, on va vite, hein, parce que, comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup de fuel. Et en plus, on a d'autres mines là-bas à fouiller. Alors, je sais pas si on va les faire vraiment, parce qu'elles ont... Je pense pas qu'elles ont, elles aient vraiment des choses intéressantes. Mais mais voilà, il me faut du kérosène en fait. Elle est quand même vachement grande. Ok, je commence un peu trop à ralentir là. On va arrêter de... Ok, on est bon. Ouais, on va avoir un problème. Ah, j'aurais dû la recharger. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Parce que je voulais en fait l'utiliser au max. Et limite la vider. Mais c'est vrai que c'est un peu con en fait. Mais vu qu'on peut pas transférer le kérosène d'une à l'autre, il faut un mod pour ça. Je suis dégoûté. Mais bon, voilà quoi. Ok, donc là on a plein. On va tout jeter. Et on va en récupérer genre 1, 2. Histoire d'avoir... ouais, histoire d'avoir un peu... On va prendre ça. Comme ça, ça nous fait plus que 2 steaks. Très bien. On va boire un peu. On va en entamer encore un. Voilà, très bien. Et on est parti. En espérant que le temps soit aussi bien qu'avant. Voilà, très bien. Dessine direct. Voilà, très bien. Waouh, ça. Ah oui, là, il faudrait une corde. Ouais, là, il faudrait une corde parce que... Oh, on n'a pas froid, c'est bien ça. Il faudrait une corde parce que je crois que là, il y a un wagon qui est tombé ou un... Ouais, non, c'est peut-être juste un raccourci, en fait. Ça nous met directement sur la route et on peut avancer. Alors que là, on va devoir un peu faire le tour. Ouais, ouais, la corde va plus vite, ouais, à la limite. Mais bon, comme j'ai dit à chaque fois, pour nous, c'est un peu embêtant. C'est genre plus vite, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de perdre de l'endurance par la corde? Ou alors faire le tour, c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Après, là, on prendra pas la corde pour monter, en tout cas. Descendre une corde, ça passe. Monter, non. Je parle du fait qu'on n'ait pas les crampons. On prend pas de corde. Quand, la plupart du temps, s'il y en a pas de crampons, on prend pas de corde. Comme j'ai dit, c'est vraiment juste pour les descendre à la limite, mais des petites en tout cas. Des petites cordes, on peut les descendre sans crampons. Mais on va pas risquer quand on n'en a pas. On peut prendre la voiture. On va d'abord après monter, parce que monter, je sais qu'il y a l'église qui est brûlée là. Et c'est assez intéressant d'aller visiter là. Donc on va faire ça et après on remonte. Faire attention parce qu'il y a beaucoup de loups encore une fois. C'est pas vraiment un endroit très accueillant. J'ai peur qu'on ait un blizzard bientôt. J'ai peur qu'on ait un blizzard. Il neige beaucoup en fait. Après il fait pas très froid.
pour le moment, donc on peut... Ça va prendre notre temps, mais vu qu'il neige... On peut pas vraiment se mettre à l'abri dans l'église. L'église, elle est complètement détruite, elle est ouverte. Donc, il va faire très froid. Là, on peut faire un feu. Ça, c'est bien. On prend. Allez, là-bas. Et voilà. Je l'avais dit, hein. Après, il fait pas trop froid si on est protégé du vent, donc ça va. Oh là là, il y a plein de bois là. On peut passer un petit moment ici, à la limite. Le temps que ça se calme, mais ouais, c'est pas le top. C'est pas vraiment le top en fait. Le mieux, ça serait d'aller au phare en fait. Mais bon, dans cette bouillie, c'est un peu compliqué. Il fait vraiment froid, normalement pas trop. 10. J'ai un peu peur de me perdre. Oh, je devrais pas me perdre normalement. Faire gaffe au loup en fait. Ok, la voiture. On va en profiter. C'est pas grave, on va perdre un peu de vie, mais c'est pas grave. Ouais, c'est bon, on est sur le chemin, on est sur le chemin, je le reconnais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va arriver... en fait, la voiture est un très très bon point de repère, c'est pour ça que à chaque fois, même en brouillard, je tente. La voiture est un très très bon lieu de repère. Là, on a passé le pont. Plus que le deuxième, et on est bon. Et on est au phare. Pas besoin de stresser. Après, dans l'église détruite, là, on peut mettre un... Il y a un bidon, en fait, pour faire du feu. Là, il y a des trucs à récupérer à chaque fois. Il y a un bidon pour faire du feu, donc c'est pas mal. Et puis, bon, si vous avez un sac de couchage et tout, ça passe, quoi. Ok, parfait. Le phare isolé, il y a un lit. Donc, c'est bien. Ça on prend. Ok.
Alors, il fait un peu sombre, mais je vais pas allumer la lampe, parce que la lampe, on a besoin de la garder, en fait. Faut qu'on la... Ouais, faut qu'on la garde de côté. Donc, bon. Ça va faire un peu sombre. C'est pour ça que j'essaye de faire vite, parce que là, on est proche de la nuit. Non, pas ça. Alors, ça c'est un backer, pas grave, pas important. C'est bien. C'est notre lit. On peut dormir ici. Tu peux voir, on est fatigué. Bof. On n'est pas trop fatigué. Mais bon, vu que le temps est pourri, autant rester ici. Là, on peut casser du bois si on veut. Il y a un truc. Chips. Une tache de sang, c'est très bizarre. Ah, outil simple, très très bien. Après on peut monter en haut du phare. Je crois qu'il y a une caisse à fouiller, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose de tissu, caisse. Ah c'est bête, on peut pas vraiment... Bah ouais, on voit que dalle quoi, on voit strictement rien. C'est... Ouais, c'est impressionnant. Waouh, ouais, wow, ouais c'est impressionnant. Un truc qui serait pas mal, c'est d'avoir des petites quêtes dans chaque région. Genre là, ça serait par exemple de refaire fonctionner le phare. Et ça vous, par exemple, vous débloque la carte entière du jeu. Enfin, de la région, pardon. Ça vous débloque toute la carte de la région. Ça serait intéressant comme, comme système, non? Je vois pas pourquoi les devs ont pas pensé à des trucs comme ça. C'est vraiment cool. Alors... Donc ça c'est potable. On va manger ça. Ok, très bien. Le phare en fait il faudrait y retourner. Si jamais on laisse les choses là, parce que c'est quand même 1 kilo et tout, genre les outils simples et tout. Donc je pense pas que on va... on va garder ça sur nous. Là on a quoi? On va cycler 10 minutes pour du tissu. Pas vraiment intéressant. Là on a eu ça, ça... Ça c'est quoi? C'est pour allumer les feux? Allumage de feu. Ça on peut le lire à la limite. On a pas mal de bois. Regarde, on peut laisser ça là. Mais ouais, personnellement, j'aurais fait un truc comme ça, où chaque région a une sorte de petite mission à faire. Genre là, ça serait remettre en état le phare, et peut-être, je sais pas, genre il faut... Je demande pas des trucs avec des NPC très compliqués, hein, mais... il faut une dizaine de... Tiens, on va poser les bois. Il faudrait une dizaine de ferrailles, par exemple. Vous prenez une dizaine de ferrailles et peut-être un objet à trouver dans la région qui est spécial à la région et qui peut, genre qui peut avoir plusieurs emplacements de spawn par exemple. Du coup ça vous force un peu à faire la région entière. Je pense qu'on va le lire pour passer le temps. Vous voyez? Et du coup vous faites ça quoi. Et hop, vous récupérez la carte entière. Ce serait pas mal comme système. Je pense que ça serait pas mal honnêtement. Moi, je trouverais ça sympa. Ça me ferait des choses à faire, en fait. Du coup, là, j'ai gâché du temps. C'est pas grave. Ouais, ces livres-là, on va les lire parce qu'honnêtement, le feu, ça devient un peu chiant. Ça met trop longtemps à monter. Et j'ai pas envie vraiment de me forcer à le monter moi-même de mon côté.
Bon bah sinon il n'y a pas grand chose à faire dans notre inventaire. On va juste passer un peu de temps parce qu'on n'est pas complètement fatigué. Ou alors attendre une aurore boréale, du coup le phare fonctionne. Et si vous êtes au phare à ce moment-là, vous pouvez cartographier, ça vous met toute la région. Vous savez, des trucs comme ça vous force un peu à vouloir, à devoir en fait rester dans la zone. Il y a plein de petites choses qu'on pourrait faire, et qui demandent pas trop de... pas trop de travail, vous voyez ce que je veux dire. C'est juste des petites choses à faire, je demande pas d'animer un NPC ou d'enregistrer des voix ou des trucs comme ça. Hein. Mais voilà. Alors... Très bien. Donc on n'a plus de viande. On va pouvoir aller chasser tout ça, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il fait assez jour pour lire? Ça m'étonnerait, mais... Non, c'est pas assez. On peut peut-être encore attendre. Faire ça, non, okay, pas. Parce qu'en fait je vois rien. On a le temps qui est pas très cool. On va juste attendre le temps de pouvoir lire en fait. Comme ça, si jamais on finit le livre, on le prend pas avec nous. Alors je sais que j'aime bien faire la collection des livres hein, dans les camps, mais c'est pas exagéré non plus. Mais vous voyez, des petites choses comme ça. Ça serait vraiment sympa. Parce que là, ils ont voulu partir avec un gros DLC directement. Je me demande si ça va être le seul Season Pass qu'ils vont faire. Honnêtement, si ça marche bien... Honnêtement, je pense que leur sortie du truc... On en a déjà parlé plein de fois. Hein. Là, j'essaye de passer le temps, en fait. On en a déjà parlé plein de fois. On va dire que la sortie de tout le Season Pass, DLC, tout ça, elle est mal faite. Elle est mal... Ce qu'ils nous donnent, en fait, c'est mal fait, honnêtement, c'est très mal fait. Ils auraient dû donner la radio au début, après les nouvelles cartes peut-être, enfin des trucs comme ça, enfin bref. Mais est-ce que ça va être le premier et le dernier, je sais pas. Honnêtement, je pense pas. Enfin, j'espère pas, parce qu'il y a quand même... il y a matière, en fait, de faire plein de choses. Donc ouais. Ok, on va sortir. Il y a matière en fait de faire plein de petites choses dans maintenant la survie, vu qu'elle est à part. Donc ça, ça serait vraiment sympa. Ok, donc on a encore ça, ça, et on a 10 massettes. Ça marche. C'est parti. Ah, attendez. Si on se met en haut du phare et qu'on prend... que j'ai pas pensé à ça. Et qu'on dessine. En théorie, on devrait avoir... Vu qu'on est en hauteur, en théorie, on devrait avoir plus de portée. Je crois. Je suis pas sûr que le phare influence le truc, en fait. Je sais pas s'il fonctionne vraiment bien pour ça. Mais bon, en théorie, oui. Je pense que c'est quand même limité. Il y a une certaine distance en fait. Et là, je crois qu'on est au max. Ouais, c'est pas... Je pensais que ça allait être mieux quand même. Ils auraient peut-être dû faire un truc genre on cible une direction et on peut dessiner la direction. Vous voyez ce que je veux dire? Genre par rapport à notre vue du personnage. Par contre, ouais, il fait quand même vachement froid. Dehors. Ah, ça va. On va pas... on va y arriver. Ouais, il fait assez froid. On va récupérer ça. Ça, c'est la... l'église. Alors, ça, c'est le bateau. Je crois qu'on peut descendre... par là.
Comme ça, ça nous évite de repartir sur la route. Car il y a des loups à chaque fois. Et je crois que... cette glace-là est tranquille. Je crois qu'il y a... ça casse pas rien. Là-bas, il y a quoi? Là-bas, il y a quelque chose qui bouge. Je sais pas ce que c'est. Peut-être un cerf. Ouais, je crois que c'est un cerf. Ouais. Donc là, on pourrait chasser ici. Là-bas, il y a le pont. Je crois que le pont, il y a aussi des voitures et tout ça encore sur la route. Donc on pourrait aller voir ça. Ouais, on pourrait chasser. Ah, là-bas, il y a un truc aussi. On pourrait chasser. Bah, on va d'abord fouiller. Vu qu'il fait bien jour, on peut d'abord... putain, on pourrait faire un feu, en fait, maintenant que j'y pense. Je dirais pas non. En fait. Ouais, je dirais pas non. Je dirais pas non pour tuer ça, faire un feu directement et manger. Comme ça, on n'a pas besoin de taper dans les réserves humaines. Plein dans la tête, bien joué. Bien joué. Très très beau, très très beau. Oh, on m'a dit pour les flèches. Les flèches genre durcies au feu là. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais en fait, les flèches durcies au feu. Et merci de me l'avoir dit aussi en commentaire. C'est vrai que les flèches. Pour moi, dans ma tête, c'était des flèches genre qui duraient. Genre des fûts de flèches qui peuvent durer plus longtemps. Je sais pas pourquoi j'étais parti avec ça dans ma tête. Est-ce qu'on a assez chaud? Un 6. Est-ce que là c'est bon? Mais j'ai pas envie de balancer le charbon. Ouais, ça va. Mais en fait, non. Non, parce que c'est vrai que dans la vie, et puis c'est vrai en plus, j'y avais pas pensé du tout. C'est que les flèches en fait qui sont durcies au feu et tout ça, c'est des flèches en fait sans tête en de métal. C'est on met ça dans le feu, enfin dans le feu, façon de parler. Hein. Mais la tête de la pointe de la flèche. Et du coup ça va la durcir, comme ça elle peut se planter dans des animaux et tout ça quoi. Donc ouais, du coup, non, ça va pas être ce que je pense, sûrement. Et je vais être un peu déçu, parce que si c'est seulement des... genre, juste des flèches plus faciles à faire, genre, pas besoin de tête en métal, bah, ouais, enfin, pour nous, c'est pas vraiment intéressant. Nous, c'est pas comme si on avait des problèmes avec ça. Après, enfin, honnêtement, non. Honnêtement, je pense que c'est très facile... Une fois qu'on est à l'aise avec le jeu, c'est très facile en fait de... 40 minutes, très bien. C'est très facile d'aller faire des pointes de flèche en fait, en métal je parle. Hein. D'aller forger. En fait c'est simple d'aller forger. Une fois qu'on sait ce qu'il faut et comment ça fonctionne et les zones, c'est très très simple en fait de forger. Donc du coup ben, pour nous ça va pas changer grand chose au final. J'avoue. Pour nous, il va rien se passer vraiment avec ça. Si vraiment c'est ça, hein, je parle. Hein. C'est un peu bête. C'est un peu bête. Ça va pas nous changer la vie pour nous. Ça va pas être quelque chose qu'on va faire, honnêtement. Parce que c'est pas utile. Je vais peut-être le faire juste pour le délire, parce que ça sera nouveau. Mais point barre, quoi. Donc ça, je suis un peu déçu. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. On va aller prendre le... Ah bah attendez.
Donc ouais, c'est possible que je sois un peu déçu de ce côté-là. Oh putain de merde. Ah, c'est pas mal comme endroit. Pour camper en fait. Tu vas pas me dire que tu vas te mettre à côté du feu. Parce que honnêtement, si t'es à côté du feu, je dis pas non pour te chasser. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On la chasse ou pas? C'est là. Hein. Genre, elle se met à côté du feu, quoi. Genre exprès. Genre, regarde-moi, rôtis-moi. Rôtis-moi. Non, où tu vas? Où tu vas? Reviens. Non, mais ça sert à rien de la chasser. Non, va-t'en, c'est bon. Honnêtement, ça sert à rien. Par contre, est-ce qu'on prend la peau ou pas? J'en sais rien. Je pense pas que ça serve à quelque chose de prendre la peau. On en profite, hein, là on refait le plein. On refait le plein de nourriture. Hein, de nourriture et d'eau. Comme ça on est tranquille. 9 minutes. Ouais. Et après ça serait 28 minutes pour la peau. Ouais, non, mais c'est pas utile. À moins qu'on reste longtemps ici, mais ça m'étonnerait, non? Bah non, non, ça servira à rien. On va pas faire ça. Table. Incroyable. Enfin, dans un sens, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. On va aller s'installer là-bas, on va poser la peau à l'intérieur en fait. 7 minutes, très bien. On va manger ça. On va tout prendre aussi, la nourriture, on va la mettre... je sais pas où, devant le Riker là. C'est le Riker, enfin le Riken, non, Riken, je crois. C'est R-I-K-E-N, je crois. Ça, c'est une belle torche. Très belle torche. Allez, on y va. Ouais, c'est plutôt tranquille ici. Ouf, ça va. On rentre directement. Le Rican. Voilà, le Rican. J'aime bien prononcer les choses débilement, c'est cool. Bienvenue au Rican. Genre on fait le bon français, vous imaginez, on a un équipage genre anglophone. Welcome to the Rican. Ah! Bonjour, je suis français. On est dans le Rican, c'est bien ça? No, Rican. Ah, le Rican. Pas grand chose. À la forme. Ouh. Oh, oui, j'avoue.
À la forge, on va déposer la peau. Parce que c'est un lieu important, en fait, la forge. Donc, c'est pas dit qu'on y revienne un jour, vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, on fout ça à côté. On peut même dormir ici. Il y a Bob. Bob est toujours là. Bob veille. Bob veille sur la forge. De charbon. Charbon, charbon. Bien, bien. Il n'y a pas grand chose en fait dans cette forge-là au final. 6. Ouais, il n'y a pas grand chose. 4. Bien. Et la peau. Le bois, on le garde parce que ça, c'est toujours utile. La peau, on n'en a pas besoin. Ouais, il y a des trucs en métal de pouvoir scier là. Donc, du coup, ça ferait quoi 8 métal, 3 heures, c'est énorme par contre. Hein. C'est énormissime. Il y a des caisses. Un peu de métal. Attendez, par contre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de charbon en fait. Je me demande même s'il y a assez de charbon pour pouvoir monter à plus de 150 degrés. Je suis même pas complètement certain. Après, comme j'ai dit, on en a déjà passé une, c'est la mine. Oh, ça c'est bien, ça, il faut le lire ça. Il y a des mines, il y a pas mal de mines ici. Donc à la limite, voilà, si vous avez besoin de matériel... enfin, de charbon, pardon, pas de matériel, de charbon, ça passe. Donc ça c'est cool, c'est bon à savoir. Par contre je pense que je vais re-rentrer dans le Rican et on va s'arrêter là parce que on arrive à 1 heure. Ou alors on va là-bas et on s'arrête là-bas peut-être. C'est tout penché, ça rend fou. T'es penché. Alors, aucun bateau n'est venu là où je vais. Ça ne me servira à rien. Je te le laisse. Oh yes, let's go. Paix de souvenirs. Yes. Est-ce que j'ai le temps de... Merde, non, j'ai pas le temps. C'est pas grave. Je pensais que j'allais pas avoir le temps. Bah on va aller là-bas alors. Allez, on va aller là-bas. Et on va se placer. Hop, attention. Très bien. Ça va, on a un seul... Ouais, ça va, on a un seul point. On va aller là-bas, on va se... Merde. Ça par contre, c'est pas friendly. Alors honnêtement, l'ours, vous vous mettez sur le Rican, nickel, ça passe. Hein. Vous lui mettez des flèches, le machin peut pas monter, il n'y a pas de problème. Par contre, faut faire gaffe si... Je sais pas si ça casse en fait, là. Je crois pas. Hein. Mais bon. Faire quand même attention. Donc oui, ça c'est le gros problème d'ici, c'est que bah, y a pas ta pouf là-bas. On va dire qu'il tourne un peu là-dedans. Il aime bien tourner là-dedans. Donc ça pose problème. Ça pose problème. On a de la chance, il fait pas trop froid. Faut faire gaffe parce qu'on sent un peu la barbaque. Donc c'est possible que des loups viennent aussi. Donc, silence radio. On écoute. Ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va faire le tour du mobile. Ah non, c'est super sombre. C'est super grand et c'est super sombre. Je vais essayer de le faire sans lumière.
ça c'est bien. Je vais le faire sans lumière pour économiser la lampe. Mais ouais, non, ça c'est vraiment chiant. C'est pour ça que les intérieurs, hein, j'aimerais vraiment bien repartir sur un mode. Pour que la luminosité des intérieurs soit mieux, parce que des fois c'est quand même bien chiant. Oh là là, on ne voit rien quoi. Quoi le sommier? Il y a eu 3 heures aussi. Étagère. Il n'y a rien. Ah, je sais que c'est un peu sombre, hein. Je sais. Moi, je ferai après un tour à la lampe, peut-être. Eh, relève-toi. Désolé si vous entendez trop le clic. J'avoue que depuis que j'ai changé de souris, ce clic-là, là, pour se baisser et se lever, il est assez fort. Il y a rien. I'll take it. Oh! La chose la plus inutile dans le jeu, on l'a. Yay. Arrête de faire de la buée. En plus, je vois pas pourquoi on a ça parce que il fait chaud. Normalement, c'est pas quand on a froid. Enfin, non, quoi que je dis des conneries. Température ambiante, moi, j'ai rien dit. Ok, ça va, c'est bon. Tu m'as eu le jeu, tu m'as eu. J'ai rien dit. Il fait quand même moins 1 à l'intérieur, en fait. Nous, c'est parce qu'on a plein de vêtements que ça passe. Si on était complètement nu, on ressentirait moins 1. Okay, je crois qu'on a tout. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, après, la pierre à aiguiser, c'est bien. Hein. Attention, c'est pas nul. Hein. Mais ouais, j'aurais bien voulu qu'il y ait un peu plus. Après, on peut casser les flèches. Les caisses. On peut casser les caisses. Attendez, il faut faire attention quand on sort. Okay. Vous entendez ça? Vous avez entendu les pas bien lourds? Il y a quelque chose qui rôde. Bah vous savez quoi, on va s'arrêter là parce que ça a sauvegardé du coup. Je vais pas manger tout ça, moi je vais quitter et après je reprendrai la prochaine fois. Ça... fais voir. Ouais, non. Non, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on reprendra la prochaine fois. Ça c'est bien, on a trouvé des choses. On reprendra la prochaine fois directement ici. Et on ira au centre. Et on fouillera un peu. Et après, il y a ça aussi. Normalement, nous, on est dans les bungalows là. Ici, je crois que c'est comme ça, là. Enfin, comme ça. Après, il y en a d'autres de l'autre côté, je crois bien. Donc, nous, on veut aller regarder une réserve ici. Il faut qu'on dessine aussi tout le tour. Après, on peut revenir sur la route qui est par là. Et elle fait comme ça, la route, en fait. Comme ça, en gros. Et je crois qu'il y a des mines par là. Où on peut aller fouiller un peu. Donc ouais, on aura quelques trucs à faire, peut-être encore un, voire deux épisodes, hein, si on veut un peu tout faire et qu'on prend un peu notre temps. Les choses qui peuvent nous ralentir là, honnêtement, c'est les animaux. Hein. C'est vraiment les animaux, parce que le temps est clément. Et surtout, c'est qu'on a beaucoup d'endroits en fait où on peut se mettre à l'abri. Donc là, c'est vraiment les animaux qui peuvent tout simplement nous bloquer. Donc ouais. Bah, c'était un très bon épisode, on a bien avancé. Ça s'est bien passé. Et on continuera donc la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.